Vous connaissez mon parcours ? Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon. Ils ont payé le prix. Le maire, il va bien ? Quoi ? Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non. Non. Oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez ? Alice Eman. Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser. Je vais être brusque. Allez-y. Vous n'avez pas l'impression de plus pouvoir régler un seul problème ? Moi, je pense que c'est ce dont les citoyens ont l'impression. Monsieur le maire, excusez-moi, on nous attend. Non, non, on nous attend pas, on m'attend moi. Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites que il remplace et il annule l'autre discours. Ok ? Ok. Ton nouveau bureau crée un énorme scandale à la mairie. Un scandale ? Il y a même une pétition qui circule. Il faut rester modeste. Pas de mégalomanie, pas de gigantisme. Ça va les notes, ça va les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Eman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle prend pas de notes. L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nous voir arrêter de penser, c'est ça ? Je suis désolée, mais le jeu n'est plus le même. Et je te remercie, Alice. Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie.